Saint-Jean-de-Mont, hein. C'est écrit dessus, hein. Mais en grec. Tout le monde se presse aux abords des Stacanes parce que... Alors, on n'est pas en train de se battre, mais de s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'il faut le savoir, Saint-Jean-de-Mont a été ville candidate pour accueillir les Jeux Olympiques d'Athènes. Alors, on a surtout accueilli le comité olympique pour essayer d'emporter la décision. On avait fait appel à des figurants du Puy du Fou, là, pour avoir du monde, pour soutenir le projet. Monsieur le maire avait fait un discours, me souviens, à l'époque, assez... Il était allé avec la garde républicaine de Saint-Jean-de-Mont qui avait mis sa tenue du jour. Il y avait Georges Moustaki qui était en vacances ici, qui avait fait un comité de soutien pour essayer de peser le pour et le contre de cette affaire. On avait allumé une flamme olympique et certains avaient amené des couverts, hein, des fourchettes et tout, en se disant si jamais on n'emporte pas les JO, eh ben, on aura quand même un bon méchoui quoi, à se faire avec cette flamme olympique. C'est parti, on est en train là, de tester le revêtement des infrastructures qui ont été construites. Donc, on teste pendant 28 jours d'affilée, donc ça se relaie. Hein, 28 jours de test du sol, lui il n'arrivait plus à s'arrêter d'ailleurs, je me souviens. Du sol, voilà, pour voir si avec la chaleur, parce qu'il disait il fait tellement chaud en Vendée. Pour ça, le comité hésitait. Certains s'étaient habillés en filles. Je me souviens, c'était parce qu'on s'était dit, si jamais on n'a pas les Jeux Olympiques d'Athènes, peut-être, on ne sait jamais, on pourrait avoir la Gay Pride de Berlin à la place. Ce serait pas mal aussi. Voilà, donc on voit que tout le monde s'active. La garde républicaine danse le zouk, mais assis. Bon, c'est 28 jours. Hein. Là, les filles des Poissonnières Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui sont là. Monsieur le maire encore, voilà. Et alors là, après, les filles ont pris le relais. C'est plus dur parce que c'est avec les espadrilles à talons aiguilles pour tester encore leurs vêtements. Et niveau vêtements, là, ça a tenu. Là, c'est gagné. On a dit, ouais, ok. Et super, les équipements de Saint-Jean-de-Mont. Là, c'est... Après, on a essayé de palabrer pour d'autres points. On a discuté avec le comité olympique pour essayer de leur faire avaler une ou deux couleuvres, quoi. La décision a été reportée à une date du moins je dirais ultérieure et on s'est levé en attente de la décision et finalement tout le monde allait se coucher. Ça a été, c'était une belle fête de 28 jours. Voilà, ça. C'est de moi, hein, je veux dire ça. Que moi, et pourtant on dirait pas, et pourtant on dirait pas. Mon parrain, avec mes parents, au mer, on voit tous les ans. On connaît tout le monde maintenant, dans le camping depuis le temps, dans le camping depuis le temps.